téléphone là. La loi, elle me demande l'eau, elle me demande. Allô maman. Ouais. Bon. Ouais, et toi? Ouais, c'est vrai. Tu te couches tard comme d'habitude, il faut pas, parce que comme ça, tu ne perds pas moitié des jours comme tu te dis la nuit, c'est pour dormir. Ouais, je sais. Et le matin, moi perso, je dis sans direct petit déjeuner, prendre un bon jus d'orange. Qu'est-ce que j'ai voulu faire là, s'il vous plaît? Je sais pas pour vous, mais moi, vraiment, j'aime trop. J'ai l'impression le matin, si je bois pas mon jus d'orange, limite je suis de mauvaise humeur. Je suis énervée, je suis irritée, ça me fait trop du bien. J'ai l'impression que c'est. Je descends rien que pour boire mon jus d'orange, quoi. C'est ma motivation pour sortir du lit. Bon, faut que je nettoie, j'ai fait tomber la moitié. Et je me pose et j'attends que ma petite nièce m'appelle. Je l'aide à faire ses devoirs du coup. Et elle m'appelle vers 10h30 et elle me montre ce qu'elle a fait. On se donne des nouveaux devoirs. Je vérifie les siens. Il est déjà 13h16. Je vais aller m'habiller, me préparer et aller faire à manger avec mon papa qui vient d'arriver du potager. Il a passé la matinée, comme toutes ces matinées, dehors. Enfin, pas chillé, à cultiver. Bon, il n'est pas agriculteur, vous êtes nombreux à m'avoir déjà demandé. Il a juste un petit potager pour nous. Bon, même si on est en confinement, je fais mes petites boucles le matin avec mon produit. Je sens beaucoup mieux. Je sais pas pour vous, mais moi, quand mes mascaras ils sont à moitié vides, même quand ils sont pleins en fait. Mais je mets à chaque fois la moitié, mais vraiment la moitié à côté quoi. Et voilà, make-up of the day terminé. Non, je rigole. Donc on passe de pyjama à... Attention le montage, je sais pas comment. Bon, du coup, clairement, tous les jours, c'est petite tenue à la sénégalaise. C'est des pantalons que ma famille m'a ramené là-bas. Je vous promets, j'en ai vraiment marre. Mon père, il a adopté des pigeons. Enfin, les pigeons de l'église, il leur donne à manger. Et ils font caca partout. Maintenant, gros, préparer des petits acras de morue pour mon papa. Bon, j'avoue, je vais pas du tout prendre une recette familiale portugaise. Je vais prendre une petite recette de mon livre de cuisine. Il est vraiment trop bien. 200 recettes inratables. En plus, il est qu'à 20€. Et dedans, mais j'en ai déjà fait plein. Résolution 2020, se mettre à la cuisine. Papa, je tiens là ma résolution, franchement. Nickel. Je prépare trop bien. Grave. Je suis une trop bonne cuisinière. Moi, je suis trop fière de toi parce que quand tu dis quelque chose, tu le fais. Voilà. Ça, c'est beau. 10 centilitres de lait. J'essaye de faire un peu comme les youtubeuses et tout, de faire un truc joli. Hein. Vous me direz ce que vous en avez pensé. C'est gaillé chou. Et voilà, après, vous prenez un saladier. Papa, tu peux m'émietter la morue, s'il te plaît. Lait de coco. Ah ouais, faut la broyer. Ouais, bonne idée. Tu donc. Tu peux en faire un petit peu plus, il y a ton problème. Non, mais j'en ai fait pour 6, c'est bien. Je vais pas aimer, je sens. Je suis pas très poisson. J'ai fait pour faire plaisir. Hein. Je sais pas, on va voir. Putain, c'est dur à faire les recettes de cooking, je pensais pas. Hein. Chapeau au youtubeur gâteau. Voilà, vous mettez vos petits oignons dans votre recette. J'avais un petit truc à ail, hein. Ça va plus vite. Parce que le coupé, j'ai la flemme. T'as fait quoi ce matin? Pas grand chose. Oh, ça a dû vous mettre plein de buée. Je suis désolée, les loustiques. Bon, je me suis coupé de mes cochons. Faut faire le panier pour Tati. Enfin, Jean il passe. Voilà, vous mettez votre deuxième ail. Ça, ça donne du goût et ça immunise. Oh, j'ai une anecdote. Quand j'étais petite, ma mère, elle venait à la cantine me voir. Elle venait avec un yaourt. L'hiver surtout en plus. Et en fait, dans le yaourt, elle me mettait des bouts d'ail pour m'immuniser. Oh là là, c'était dégoûtant vraiment. Mais bon, en attendant, je pense qu'elle a raison, quoi. L'ail, c'est bon pour la santé. Je mets le lait aussi, ouais. Il est hyper fort. C'est bon?
Anecdote aussi sur ce pot de piment, c'est qu'à mes soirées, mes potes, ils mettaient les doigts comme ça dedans et ils en mangeaient, ils pleuraient limite. Ils se faisaient des défis cons. Mais j'ai peur que c'est trop goût. Je vais mettre mon persil. Mmh, ouais, trop bon. Et ça va faire un boule comment ça? Mais avec la morue. Et ça peut pas faire des boules. Mais si. Et si tu mets comme ça, ça peut pas faire des boules. Mais c'est la morue, toute la quantité de morue émiettée, ça va faire des boules. Non. Si. Ça fera des boules. Mais là, si tu me mets des gros bouts de morue, ça marchera pas. Non, mais il faut qu'il y ait un peu de farine, mais c'est sûr. Non, il faut pas de farine. Comment ça? Et je suis sûre que ça va gonfler la morue, que ça va faire une réaction chimique. On mélange notre morue. Mais si, regarde, ça va faire des beignets. C'est nickel, ça. Je suis vraiment une femme à marier, hein, papa. Ah oui, oui. Ah bah oui. Celui qui va t'épouser, il va pas avoir à se plaindre. Sinon, je lui dirais, mais tu savais comment elle était avant. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi, papa. Mais non. Ça veut dire que je suis chiante, en fait, au fond. Ben oui. Oh, oh. T'abuses. Ah non, elle a toujours raison. Non, c'est pas vrai. Elle a toujours raison, Emma. Elle dira pas qu'elle a tort. C'est faux, c'est lui qui est comme ça. Et bon, ben les chiens. C'est ça, les chiens, clairement. Ben allez, je la laisse reposer où? Mais elle est bonne à marier, je vous le dis. Ah. Nos potagers, les poules, elles ont tout mangé, tout mangé, tout mangé. Allez. Oh! Regarde, les fèves, tout! Oh. Elles ont tout démonté! Les salades qui étaient magnifiques! Allez, on va chercher des radis! On va prendre le petit là, il est mignon, il est tout seul en plus. Et ce petit là-bas aussi, il est trop kiki! Après, on mange dehors, on profite du soleil avec mon papa et du jardin. Et c'est là que je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de chance d'en avoir un jardin. Un petit peu de morue. Non. Et non, s'il te plaît, j'en mange déjà dans les acras. Allez, allez. Mais papa. Morue, parce que la morue, c'est digne d'être portugais, la morue. Encore un peu. Non. Pendant que papa fait du coup la sieste, ben moi j'en profite pour faire un peu de tri, monter le linge, l'étendre, ou alors là pour le coup j'allais faire charger mes caméras, et voilà je me pose juste tout simplement, et après souvent je me mets à mes devoirs ou à mon montage, vraiment, ça m'occupe gavé. Oh je suis morte, je crois que j'aurais vraiment dû faire une sieste comme mon père. En attendant là elle est au potager, il faut que j'aille l'aider et tout, du coup go me changer. T'as vu, on mange super tard, on prend bien notre temps. On a dû sortir de table vers 3-4 heures. Et voilà, vu qu'il fait beau, là, je vais aller en profiter, je vais aller l'aider. Parce qu'il allait chercher du pain dans des boulangeries. Qui est-ce qui m'appelle? J'irai voir après. J'y vais. Ah, mais justement. Ouais, amène ta caméra, là, en train de mettre bas, une cochonne, là, de faire des petits. Ah, j'ai. Caméra, si vous voulez voir. Ah, j'arrive! Vite, 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 faut qu'Avé se dépêcher, j'ai le trépied et tout, là. Papa! Il m'a fait un prank ou quoi? Papa? Papa! Ah! C'est bon, je les vois. Oh, c'est trop mignon. Oh, ils sont tout petits, on dirait des asticots. J'avais jamais, jamais vu mes cochons accoucher, c'est la première fois. Ils sont tout mignons. Tu savais qu'elle était enceinte? Elle était pas. Ah, il y en a d'autres? Attends, j'y retourne. La pauvre, elle est en plein accouchement. Bah oui. Ah, les contractions. Tu vois les contractions? Ouais. Ils vont trouver une tétine là. Et leur tétine désignée, là, celle de la tétine qu'ils vont prendre, ça sera celle qu'ils vont garder tout le temps. Hein. Ah, il y a du sang. Oui, parce qu'il va sortir le petit. Ah, 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 ah. Ah, le pauvre. Elle pète en même temps. Ah, pardon. Ah, elle est sortie. Ah,
est sorti, tu le filmes? Oui. Il est sorti. Les deux quatre, allez, prenez vos tétines et les verres. Tu penses qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Oh, c'est trop mignon. Tu vois la mise au monde, ce que c'est? Hein? Petit panier pour Tati, que mon cousin est venu chercher. On m'a apporté du chocolat. Parce que vu qu'on est toujours pas allé faire les courses, nous, ben, j'ai plus rien à manger. À part des trucs verts. C'est 3 semaines que j'ai vu personne et si j'ai vu le corona, je suis dégoûté. Mais je te jure, ils sont trop mignons, ils sont nés, je les ai filmés et tout. Ah ouais, mais ils sont vraiment petits. Mais ils viennent de naître, mais viens voir. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire au mois d'août, mais c'est la dèche. Vraiment. Vous aviez prévu des trucs, vous, pendant les vacances, que du coup, vous pouvez pas faire. Parce que... Elles sont méchantes, les oies, fais gaffe. Vas-y, donne-moi la... La loi, elle va te mordre, Vite, Gaston. Ah non, j'ai moins peur du taureau. Protection Corona. Ça fait 3 semaines maintenant qu'on est en confinement. Avec mon papa et tout, on n'était pas sortis de la maison, pas de course, rien du tout. Parce que forcément, lui, il n'est pas en obligation professionnelle. Parce qu'il a la retraite avec moi. Et voilà. Donc on s'occupe. Il s'occupe bien de nous, du potager, de faire à manger. On va aller voir. Si les petits cochons sont bien avec leur maman au chaud. Mais bon, normalement c'est bon. La chance qu'ils ont eue, c'est qu'ils sont nés en plein soleil, il faisait très beau, il faisait chaud. Donc une demi-heure après, ils couraient partout. Et là, ils sont rentrés avec leur maman, se coucher dans leur petite tanière. Je vais aller voir comment. Dedans ? On n'en voit que 4. Papa. Arrête. Ah ben ils étaient dessous. Les autres étaient dessous, mais pas maman. Là, ça va. Mais ils sont trop trop chauds. Elle est en train de manger le placenta, la maman. C'est pour se donner des forces? Ben oui. Ah, là vous allez voir. Tu les vois là? Ouais. Tu vois là, elle mange le placenta. Ah, ils sont bien là dans le nouveau foin. Ouais. Et vu que le plafond est bas, ça permet quand même le chaud, c'est ouais, ça? Ouais, il fait chaud là. Ouais, il fait bon. Bon, on croise les doigts et on espère que tout le monde ira bien. Et qu'on aura 5 nouveaux petits dans la famille. Petite unboxing du confinement. C'est pouvoir faire des macramés. Trop mignonne, elle a pensé à moi. Du lait, parce qu'on n'a plus de lait. Et regardez-moi ça, des gâteaux et du chocolat. Alors, les œufs d'oie. Les œufs d'oie, on ne les mange pas pour le moment. On les garde pour les mettre en couveuse pour avoir des petites oies. Vous avez bien vu, là, il m'a gerté pour montrer son œuf d'oie, là. Oh. Vous avez tous vu. J'ai remis un petit peu de farine dans ma recette, dans mes acras. Mais faut pas le dire à mon père parce que sinon il va encore dire qu'il avait raison. Oh, j'en suis en train d'en mettre partout. Ça va faire des beignets cramés. C'est cramé ça, non les gars? Bon, du coup je vais goûter. Mais là on dirait pas du tout des acras, vous trouvez pas? On dirait plutôt des genre de petites crottes. J'en ai marre. Je vous jure, j'ai trop envie de savoir trop bien faire la cuisine, mais à chaque fois, la première fois que je fais de la recette, je fais vraiment n'importe quoi. Mais ça se trouve, ça va être bon. Le plus important, c'est que ce soit bon, non? Mais là, ça va avoir un goût de quoi? Moi, c'est un petit goût cramé, quoi. Un petit grand goût, quoi. On est pas du tout, hein?
Arrête, allez, c'est cramé ça. Mais j'essaie de les faire moins cramer mais, là. Mais oui, il faut pas les faire brûler. Mais oui, mais c'est pas ma faute, ça chauffe tout seul, c'est à 6. Mais déjà, c'est pas ça, les beignets à Maurice, c'est pas ça. Mais alors, c'est qu'il faut ça pas... Ça doit être rond, hein. arrête. Pourquoi ça doit être tout... rond hein. Oui, c'est même pas varine, s'il te plaît. Parce que ça, c'est de l'eau hein, que tu me mets, c'est pas comme ça. Arrête la poêle, arrête tout, parce que là, c'est bon, il y en a. Tiens, ça. Oh, ils sont trop beaux, mes beignets. Ouais. Quoi, je rêve, c'est mes beignets, c'est moi qui les ai préparés. On l'a perdu pour la soirée, il est reparti à faire des accords. Ah ben, au moins j'étais sûr de ne pas l'oublier. Ça c'est sûr. Je me casse un doigt. Faut tirer, non? Pour ouvrir le pâté. Oh non, mais je... Toujours un. Rien que pour ça, il faudra un copain. Merci. Bon, on va dodo. Trop fatigué, à chaque fois on se couche tard en vrai. Ah ouais? Il est déjà minuit 20. On fait quoi demain? Quoi de prévu? Demain, programme, soigner les petits cochons, faire un terrassement, et puis après, bien manger, bien boire. Et faire une grosse sieste. Bon programme. C'est belle. Tu le sais que c'est belle. Retour au point de départ dans mon lit. Je vais aller dormir même si je pense que je vais encore au moins tourner une heure. En attendant, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. J'ai vraiment adoré vous filmer en quelque sorte mon vrai quotidien et pas mes voyages, tout ça, mon vrai... ce qui m'arrive vraiment dans ma vie de tous les jours. Et que ça vous aura plu de voir mon papa, enfin tout ce qu'il a construit, le potager. Enfin, je suis tellement fière de mon bagage culturel, que ce soit du côté de mon papa, du côté de ma maman. Le mélange est juste ouf et leurs histoires sont ouf, donc enfin bref, si ça vous intéresse et si vous souhaiteriez que je vous en parle dans une vidéo, dites-moi-le en commentaire. Et voilà, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et j'espère que vraiment cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que toute votre famille va bien, que vous allez bien pendant cette période, que vous restez chez vous et que voilà, vous avez quand même le sourire et que on se dit que voilà, un jour la vie va reprendre et qu'il faut essayer de profiter d'être avec notre famille pour faire peut-être des choses qu'on... on n'aurait pas pensé, et à utiliser notre temps qu'on a du coup à bon escient. Voilà. Wally Walou. Bisous.